Je suis celui qui trace. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Je suis celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Je suis l'Éternel Tout-Puissant. Je suis le roi des rois. Je suis celui même qui assise son trône élevé et qui fait cette terre son marche en pied. Je suis la source intarissable. Je suis le oui et la même. Je suis le Tout-Puissant. Oui. Je suis la force de mon peuple. Je suis la force de mon peuple. Je suis la force de mes enfants. Oui, je suis votre force. Oui, je suis votre force. Oui, je suis votre force. Je suis la force de mon église. Oui, je suis votre force. Je suis votre force. Je suis votre force. Moi, l'Éternel Tout-Puissant, je suis ma force. Oui, je suis votre force. Moi, l'Éternel des armées, je suis votre force. Demeurez ainsi. Et obéissez à mon Dieu. Car c'est moi qui vous ai élevé. Là, de l'Égypte, c'est moi qui vous ai retiré de là où vous étiez. Oui, obéissez à moi seul et regardez à moi seul et vous verrez ce que je vais faire. Quand je dis, je le fais. Quand je dis, je le fais. Quand je dis, je le fais. Taisez-vous. Regardez. Taisez-vous et regardez. Regardez. Il se déchire en eux. Regardez. La chair se mange en eux. Je vous le dis. En vérité. Que ceux qui obéissent à ma parole feront la gloire. Ceux qui obéissent à ma parole feront la gloire. Car j'étais aussi humilié. J'étais aussi maltraité. J'étais aussi injuré. Oui. Mais je n'ai pas parlé. Mais j'ai pris ma patience. Parce que je savais qu'est-ce que m'attendait. Je savais qu'est-ce que m'attendait. Et vous aussi, mes enfants, vous aussi, vous avez passé par là. Vous allez passer par là. C'est pas vous. Ils vont pas faire aussi. Ce n'est pas vous. Ils vont pas le faire aussi. Pourquoi vous inquiétez? N'ai-je pas la résolution? Est-ce que je ne suis pas la résolution? Je suis la résolution. Et vous aussi, mes enfants, que j'engendrerai aussi, vous serez aussi la résolution dans vos problèmes. Vous serez aussi la résolution dans vos difficultés. Vous serez la résolution aussi. Avec tous les montagnes qui s'élèveront contre vous. Oui, vous allez vaincre cela. De la manière que j'ai vaincu aussi à la croix. Taisez-vous et observez les grandes choses que je fais. Taisez-vous et regardez la chair qui se mange en eux-mêmes. Et rendez gloire à mon nom. Et rendez gloire à mon nom. N'ai-je pas dit? Peuple va se lever comme un peuple. Les frères vont se lever comme les frères.
N'ai-je pas dit cela dans ma parole? Mais pourquoi vous ne croyez pas à cela? Vous que j'ai mis à part. Vous que j'ai mis à part. Vous que j'ai mis à part. Vous ne voyez pas ce qui se passe actuellement. Vous que j'ai mis à part, l'église. Asseyez-vous et regardez. Et dites à vous que le Seigneur Tout-Puissant a parlé. Regardez et dites à vous que le Seigneur Tout-Puissant a parlé. Je ne croyez pas. Il le fait. Pourquoi vous vous inquiétez pour si peu de choses? Pourquoi vous vous inquiétez pour si peu de choses? Pourquoi vous vous inquiétez pour si peu de choses? Quand la paix, quand la tempête se lèvera, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et c'est moi qui calme la tempête. Et c'est moi qui calme la tempête. Et c'est moi qui calme le vent. C'est moi. Pourquoi vous inquiétez-vous de plus peu de choses? Je vous ai dit ici que vous, taisez-vous et ferez ma main qui travaille. Je vous ai dit ici, vous, taisez-vous, faites mon œuvre et regardez ma main qui travaille. Vous ne verrez pas. Et vous ne voyez pas cette main. Vous ne voyez pas cette main qui travaille dans le secret. Je ne suis pas l'Éternel qui fait beaucoup de bavardages. Et moi, l'Éternel, je travaille dans le secret. Et quand je travaille, cela est publié partout. Cela est publié partout. Pourquoi vous vous inquiétez? Je suis votre force. Je suis votre force. Je suis votre force. Raison pour laquelle je dis, quand vous n'avez plus de force, demandez-moi la force. Car je suis votre force. L'église, je suis votre force. Oui, je suis votre force. Je suis votre force. Je suis votre force. Et c'est moi qui plaque, qui aplatit tout au devant de vous. Oui, j'aplatis tout au devant de tout. J'aplatis tout au devant de vous. Mais les montagnes qui se lèvent, c'est moi qui j'aplatis cela. Pourquoi vous inquiétez-vous? Je suis avec vous. Et je serai toujours avec vous. Recevez ma paix ce matin. Recevez ma paix ce matin. Afin que mon cœur ne soit pas troublé. Afin que mon cœur ne soit pas troublé de la manière de faire facile. Afin que vos cœurs ne soient pas facile. Recevez ma paix ce matin. Afin que cette œuvre fasse de la foi. Vous avez prié pour quelque chose. Que ce nom-là qui est écrit là, que ce nom-là qui est écrit là, fasse de partout en partout. Et vous pensez que je n'attends pas cela. Et vous pensez que quand vous criez à moi, mon oreille est sourde. Non, mes enfants. Toutes vos prières que vous faites dans ce lieu, je reçois cela. Vos pleurs, je reçois cela. Et vous voulez quoi de moi? Vous ne voyez pas les grandes choses que je suis là faire dans le secret. Selon que vous avez dit. Oui, ce nom-là serait partout, je vous le dis. Oui, ce nom que vous avez dit. Ce nom-là serait partout, je vous le dis. Alléluia. Je suis le Seigneur des armées. Ce nom que vous avez. Quand vous criez, Éternel, faites grâce que ce nom soit partout. Vous croyez que je n'attends pas. Ce nom, je vous le dis ce matin, serait partout, mes enfants. Et ce nom-là va vous suivre partout. Même dans les campements, ce nom-là serait partout, je vous le dis. Oui, c'est ce nom-là. C'est ce nom-là. Je vous le dis. Je ne serai pas long. Quand ce nom serait révélé partout, je ne serai pas long. Afin de sonner ma trompette. Arrangez vos vies. Soyez parfaits. Car j'ai commencé. Je suis le Seigneur qui commence et qui achève. Je suis le Seigneur qui commence et qui achève. Oui, j'ai commencé.
Oui, j'ai commencé. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Soyez dans la paix. Soyez tranquille en vous-même. Soyez en joie. Parce que ce que j'ai dit, je vais le faire. Disposez-vous tous. N'est-ce pas écrit dans ma parole que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Mes enfants, n'est-ce pas écrit dans ma parole que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Mes enfants, amenez-vous de force et de courage. Amenez-vous de force et de courage. Je vais faire de grandes choses avec vous. Je vais faire de grandes choses avec vous. Amenez-vous de force et de courage. Amenez-vous de force et de courage. Amenez-vous de force et de courage. Oh! Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Quand je portais sa croix, ce n'était pas facile pour moi. Oui, quand je portais cette croix, ce n'était pas facile pour moi. Car quand je portais cette croix, mes enfants, je suis contenté partout. Le sang coulait. Mais je portais sa croix jusqu'à la croix. Pourquoi aussi ne portez pas votre croix? Laissez les injures qu'on vous insulte quand vous aussi on a craché sur moi. Laissez qu'on parle de vous quand vous aussi ils ont parlé de moi. Vous aussi ils m'ont frappé, ils m'ont échiré. Quand je porte cette croix. Oui, les injures, c'est votre croix. Les criquets, c'est votre croix. Les calomnies, aujourd'hui, qu'on fait sur vous, c'est votre croix. Les paroles, ce que vous n'avez pas fait, on dit, c'est vous. C'est votre croix, mes enfants. Supportez cette croix de la bonne, je supportais aussi. Les paroles, l'homme. Vous n'êtes pas contre. Là, mais vous n'êtes pas rencontre. Oui, ces choses vont arriver. Mais c'est votre croix, mes enfants. Supportez-la. Supportez-la. Car moi aussi, je supportais. Ce n'était pas facile, mes enfants. Mais je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. En fait, que vous serez en paix aujourd'hui. Donc, pourquoi aussi ne pas faire cela aussi pour moi? Pourquoi aussi ne pas faire cela encore, mon nom? Pourquoi, mes enfants? Et vous dites à vous que vous êtes fatigués. Et vous dites à vous que est-ce que vous pouvez arriver? Je vous le dis en ce matin, si moi, l'Éternel des armées, je suis arrivé, vous pouvez aussi y arriver. Vous pouvez aussi y arriver. Malgré le vent qui va se lever, malgré qu'on va vous accuser devant les champs, oui, j'étais aussi accusé aussi. J'étais aussi accusé aussi, mes enfants, que j'étais sorti. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, je vous le dis ce matin. Ceux qui commettent la difficulté, qui disent que je ne peux plus, je suis fatigué. Je vous le dis ce matin. Pas ta croix, parce que j'étais fatigué aussi. J'étais couché comme un chicotin. Je ne savais pas.
Mais je me suis levé. Et j'ai soulevé cette croix. Et j'ai dit dans mon cœur, je peux y arriver. Et j'ai soulevé cette croix. Petit à petit. Et je suis arrivé. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez vaincre les problèmes. Vous pouvez vaincre les problèmes, mes enfants. Vous pouvez les vaincre aussi. Ne laissez pas le diable vous dominer. Ne laissez pas le diable vous dominer. Car vous pourrez y arriver. Ce qui vous fatigue aujourd'hui, vous pourrez y arriver. Église, Église, apprêtez-vous. Car quand je dis, cela ne serait pas tout. C'est parce que quand je dis cela ne serait pas tout, c'est pour vous envoyer partout. 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 Implanter cela. C'est pour vous envoyer partout. Implanter cela. C'est pour vous envoyer partout. Implanter cela. Oui. C'est pour vous envoyer partout. Implanter cela. Ne dites pas vous que vous n'avez pas les moyens. Ne dites pas vous que vous n'avez pas les moyens. Je ne vous ai pas mis ensemble pour murmurer. Je ne vous ai pas mis ensemble pour limiter ma main. Non. Je ne vous ai pas mis ensemble pour tout cela. Ne dites pas vous que est-ce qu'on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Car ce nom sera planté partout. Car ce nom sera planté partout. Quand je dis cela, vous savez de quoi je parle, mes enfants. Vous savez de quoi je parle, mes serviteurs. Vous savez cela. Vous savez cela. Vous savez cela. Ce nom-là sera planté partout. Ce nom-là. Ce nom-là. Ce nom-là. Ce nom-là. Ce nom-là. Ce nom-là. Ce nom-là serait partout. Parole. Merci Jésus. Tu es puissant. Avec vous. Mais pourquoi? Pourquoi vous refusez la souffrance? Pourquoi vous refusez la souffrance? Que chacun porte sa croix. Que chacun porte sa croix, mes enfants. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Comme ça. Merci. Ce nom-là, c'est pas. Ce nom-là,
Cela sera partout, je vous le dis. Cela là. C'est écrit par mon sang, c'est là. C'est là. Va pas être voilé. Cela ne sera pas voilé, mon serviteur. Je vous le dis. Cela ne sera pas voilé. Cela ne sera pas voilé. Cela ne sera pas caché, je vous l'ai dit. Ce mec qui se retire, connaît ce nom-là. Ce nom-là est révélé, mon serviteur. Je n'ai pas encore fini. Avec ce nom-là. Merci Jésus. Ma gloire est là. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le vivant. Je suis l'ancien des jours. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le ressuscité. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je vous le dis en ce matin, j'ai tout accompli. Moi, l'Éternel, j'ai tout accompli pour vous. J'ai tout accompli pour cette humanité. Marchez selon ma parole. Marchez selon ma parole. Je vous ai pardonné un nouveau jour. Moi, l'Éternel des armées, j'ai tout accompli. Portez votre croix et marchez avec moi. Portez votre croix. Je vous le dis, mes prophètes ont porté leur croix. Mes apôtres ont porté le croix. Oh, mes enfants, je vous le dis, pour moi, vous allez souffrir. Pour moi, vous allez connaître les jours nouveaux. Pour moi, vous allez connaître les bons jours comme les mauvais jours. Pour moi, à cause de mon nom, à cause
cause de mon nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom. Dis-moi l'Éternel, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli, mes prophètes. Mes prophètes, ont marché selon ma parole. Marchez selon ma parole. Marchez selon ma parole. Marchez selon ma parole. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu parles. L'Éternel, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Car je reviens bientôt et ma rétribution. Parole du Seigneur. Mes enfants, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi pour vous rassembler ici. C'est moi qui vous ai choisi. Dans vos tous et partout où vous étiez. C'est moi qui vous ai tiré là où vous étiez, dans le péché. C'est moi qui vous ai tiré. C'est moi qui vous ai fait cette grâce. Je vous amène à ce lieu pour faire mon œuvre. Alors sanctifiez-vous tous les jours. Sanctifiez-vous. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu saint. Sanctifiez-vous.